Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Naruto X Boruto Ninja Tribes. C'est une vidéo, on va dire, quelques conseils suivant les rumeurs et de ce qu'on a remarqué avec le serveur global. C'est que tout simplement, concernant le jeu là, on a un portail qui va arriver demain et un portail qui va arriver dans 6 jours. Donc le 30, tout simplement le 30. Le 30 décembre. Donc, je vous conseille, si vous avez énormément, si vous avez plus de 25 000, faites 4 voire 5 multi, mais arrêtez-vous là parce que n'oubliez pas que Madara a été datamine il y a un mois, 2 mois de cela. Et je vous conseille de mettre un maximum, mais vraiment un maximum de Shinobi Gun de côté, même si demain, ils vont nous donner 3 500 Shinobi Coin. Donc je vous invite réellement à ne pas pull entièrement sur Minato, même si ça va être une très bonne unité. Certaines rumeurs portent à croire que on pourrait avoir Madara pour le 30, pour la veille de l'an. Donc je vous conseille, premièrement, d'économiser. Si vous avez besoin de reroll, c'est le bon moment. Ça vous fera vraiment une bonne. Allez, je dirais 10 000, 15 000. 15 000 pour bien commencer d'ici le 30. Si vous commencez aujourd'hui, vous allez avoir plus ou moins 15 000. Si vous tryhardez, vous allez avoir un petit peu plus de 15 000, hein, largement, donc aux alentours de 17 000, si je dis pas de bêtises, en comptant les 3 500 Shinobi Coin, les connexions, les bonus, plus les récompenses du PVP, des guildes, etc. Donc voilà, évitez de tout mettre sur Minato, vraiment évitez vraiment un grand maximum de mettre tout sur Minato. Sinon, c'est tout pour cette vidéo. Oui, je sais, c'est une vidéo très très courte. Une vidéo extrêmement courte, mais c'était juste pour vous tenir au courant que certaines rumeurs portent à croire qu'on pourrait avoir un gros portail pour le 30. Parce que comme vous l'avez vu, cet event-là de Sasuke et Obito, il se termine. Il se termine dans 6 jours, donc je vous invite tout simplement à faire attention à votre monnaie. Je sais qu'il y en a qui ont plus de 35 000, là faites-vous plaisir réellement. Si vous voulez faire 10 invoques, allez-y, franchement allez-y. Avec les 3 500 qu'ils vont nous donner demain, ça va vous permettre d'avoir plus ou moins 13, voire entre 13 000 à 15 000 pour demain. Qu'est-ce que j'ai pour demain? Pour tout simplement le 30, le 31. Et donc voilà, c'est tout, je pense avoir résumé la situation. Donc évitez de tout mettre sur Minato, même si ça va être une très bonne unité. Par contre, attendez, si je ne dis pas de bêtises, on va aller dans les notices, dans les notifications du jeu. Event, on va appuyer sur ça. Donc, ils ont pas annoncé sa couleur. Donc, l'artwork qui est vraiment pas mal, le basique 4e Hokage. Les attaques sont simples. On va switch sur leur Twitter. Je vais vous montrer un peu leur visuel pour ceux qui n'ont pas vu mon ancienne vidéo sur Minato. Donc Minato, il est là. L'attaque combinée. Donc on est ici. On va basculer sur ça. Et donc nous revoici sur la petite page. On y go avec la première animation. もらった。負けはしない。大切なものがある限り。
Dario. Akasero. Kimeruze. Morata. Kimeruze. Morata. Ikke. Awasen.負けはしない。大切なものがある限り。さて、一気に決めようか。了解。 Donc cette animation, c'est celle qui est reprise d'après Payne. Donc pendant la scène finale de Pain contre Madara, Pain contre Naruto, on voit l'apparition de Minato, il lui donne quelques petits conseils, il lui parle de son passé, etc. Donc voilà. Donc on n'est pas là pour parler de ça. Mais certaines rumeurs disent que cette attaque-là serait une attaque de zone et que l'autre attaque sera une attaque ciblée. Donc ça, on va voir ça demain parce que là on est le 24. C'est tout. Je pense vous avoir tout montré a priori. L'artwork, donc je vous l'ai déjà montré. Ouais, c'est tout à peu près. Donc, ah oui, n'oubliez pas de passer de bonnes fêtes. De bonnes fêtes, un bon réveillon. Et ne mettez pas tout sur Minato, les gars. Ne mettez vraiment pas tout sur Minato. Donc, je vous dis ciao, à la prochaine. Prenez soin de vous. Lâchez un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne. Et ça me fait énormément plaisir. On a dépassé les 1000 abonnés. Je vous remercie pour tout ça. Et on avance petit à petit. La communauté s'agrandit davantage. Et comme je vous l'ai dit sur la vidéo que j'ai préparée ce matin, que j'ai tournée ce matin, quelques projets sont là. Ils sont en pleine phase de construction. On est en train de peaufiner tout ça avec le reste de l'équipe de Discord. Avec Fufu également. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Il y a pas mal de choses qui va arriver, qui vont arriver plutôt. Donc voilà. Sur ce, ciao et à la prochaine.